Hola, bonjour Bandia, comment allez-vous aujourd'hui? J'espère que vous allez bien. Nouvel épisode de notre série. Nous savons qu'évidemment, désormais c'est le roi Viriato, un géant qui est au pouvoir. Mais oui, il est devenu meurtrier. C'est-à-dire que quand il a assassiné l'archevêque, il s'est fait découvrir. C'est quand même pas top. Autre point intéressant, ça y est, la guerre est enfin terminée. Et oui, Sibéria a pu devenir enfin duc de Toulouse. Voilà. Il est content si vous le savez comme il est content dans le chat. Voilà. D'ailleurs, si vous n'hésitez pas à venir passer sur ma chaîne Twitch de temps en temps, hop, le lien est dans la description si jamais vous voulez voir tout un tas d'éléments en off, discuter ou simplement me dire bonjour, n'hésitez pas. Du coup, voilà où nous en sommes. Exactement, Crocman, bonjour YouTube. Ouais, oui, voilà, c'est ça, le moins 15, ça va encore maintenant puisque j'ai réussi à gérer la succession. Il va y avoir des paysans qui vont se révolter, mais ça, c'est pas trop un problème. Donc ça va. Donc là maintenant notre objectif va être très simple, hein, de gagner un max d'argent, d'avoir max pognon dans les caisses, pour pouvoir ensuite, eh bien, avoir du prestige. Je suis presque à 1000, donc ça va aller. Et surtout, il me faut 1000 empiétés. Si je veux ensuite pouvoir embrasser la fameuse la culture andalouse. Mais oui, ce sont les bonnes personnes. Ce sont des bonnes personnes. Ils sont bien. Du prestige et de la piété, donc pour pouvoir passer en foi basque. Donc c'est ce qu'on va essayer durant ce moment. Même si bon, avec 4-1 d'argent, je gagne pas beaucoup. Là, comment ça se fait que je gagne pas des masses? Attends, est-ce que j'ai encore des... Ben oui, mais j'en ai... Ben non. Hop. S'occuper. Assister au dirigeant. On va assister au dirigeant. J'ai vraiment besoin de sous! Des sous! Donnez-moi des sous! Non! Jamais. Ah non, non, jamais. Jamais, jamais. Alors, fais voir toi. Toi, je te capture, je te recrute, et ça va être très très sympa. Ah là, ouais. Attends, bouge pas, coucou. Bouge pas, tu vas voir, ça va bien se passer. Ça va bien se passer. Faut vraiment que je fasse ce son, ça pourrait être très très drôle ce son. Tout va bien se passer. Allez, hop. Ah, ça c'est du beau paysan, ça. Ça c'est du beau paysan. Voilà, merci. Hop, hop. Ainsi soit-il. Je disperse tout. Alors, Eric. Eric, je te recrute. Mais tu vas te convertir aussi. Ah, tu veux pas te convertir. Ah, tu veux pas te convertir. Bon bah c'est pas grave, mais je te recrute. Hein, je te recrute. Et je te convertirai après. Bouge pas coco. Bouge pas coco, parce qu'un truc pareil. Hein. Voilà. Toi. Combien est-ce que tu voudras pas? Hein. Moins 218. Parce qu'il me déteste. Est-ce qu'il, ben oui, mais il est zélé. Ben oui, mais il est zélé, c'est normal. Il est zélé, c'est normal. Mais c'est un très très bon général. Donc il y aura peut-être quelque chose à en tirer après. Donc maintenant. Maintenant, on va partir. Ouais. On va partir sur un petit assassinat par ici. Combien? 19%. Comment ça se fait que je perds de l'argent? Ah ben, pourquoi je perds de l'argent? Minute, ça y est, c'est bon, je gagne les sous. J'ai eu peur. J'ai eu peur. Mais vraiment, je suis pas bon en intendance. C'est ça, en fait. Je suis vraiment une buse en intendance. Ouais, je suis moyen. Je suis moyen. Il va vraiment falloir que je fasse quelque chose. Lui, je peux lui faire la guerre. Lui, je peux complètement lui faire la guerre. Et c'est une guerre contre quoi? À tout y a tout là. Sérieusement, c'est ça? Qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il veut? Ouklich. D'accord, il veut Ouklich. Voilà, il veut ce machin-là. Ok. Il veut ce machin-là. Ok. Moi, je peux en profiter pour faire la guerre ici, continuer à récupérer des territoires petit à petit. Je peux. Je peux, c'est sympa. Mais lui, il faut vraiment l'assassiner. Mais j'ai pas assez de sous encore. Je suis en... interrompre les complots. Si je passe, s'occuper des intrigues. Je passe en m'occuper des intrigues.
32%, c'est mieux. On va tenter le coup. On va tenter le coup. En espérant que ça passe. Si ça passe, c'est parfait. Je peux inviter des gens. Ah bah il y a la femme. Ah bah il y a carrément sa femme. Oh 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 oh. Il y a sa femme. 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 Puis elle demande pas grand-chose, hein, en plus, la femme. Hein. Ah bah moi je veux bien, hein. Si madame est prête à vouloir assassiner une lettre. Un avis changeant. Mais c'est pas grave, t'es inconstant, c'est pas grave, t'auras rien du tout de toute façon. Alors, tiens, ça me fait penser. Parmi les autres petits, là, ils ont quoi? Voilà. Toi, tu vas directement aller en érudition. Érudition. Et tu vas. C'est qui lui? Un athée, mais sûrement pas un athée. Sûrement pas, c'est l'archevêque qui va y aller. Voilà. Parfait. Madame n'aime pas le mari. Ah, ça j'adore. J'adore, j'adore. Et alors toi? Toi, t'es pas mal aussi. On va te mettre en. Tiens, je te vais te mettre en diplomatie, tiens. Toi, je te mets en diplomatie, ma puce. Et qui est le meilleur en diplo? En ouais. C'est mon échanson. Eh ben écoutez, c'est mon échanson. Voilà, c'est mon échanson. Voilà. Ma cousine est morte. Oh non! Donc là, j'attends un petit peu. Et dès que lui est mort, je pense que ça devrait faciliter un peu les choses. Je pense. Parce qu'il y a quand même beaucoup de territoires un petit peu gênants. Du coup, c'est quoi la prochaine étape? Opportunité? Bon, ok. T'as combien d'hommes, toi? T'as 450 hommes. Je vais aller lui bouffer un petit territoire. Allez, on va lui bouffer un petit territoire. Je pense qu'on n'est pas à ça près. On peut lui prendre un petit territoire. Alors, mon ami cible, là, mon frère, mon frérot. Non, non, mais c'est pas possible. Mais arrête de faire la guerre, cible, mais c'est pas possible. En fait, ça, c'est vraiment. Ah, non, en fait, non. D'accord, donc c'est les voisins qui ne le supportent pas. Cible, qu'est-ce que t'as encore fait? Qu'est-ce que t'as encore fait? Pourquoi est-ce qu'il te déteste? Pourquoi? Pourquoi? Là, je ne sais pas. Là, je comprends pas. Je comprends pas. Je comprends pas. On va peut-être faire la guerre ici. Oh, aïe, 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 aïe. Oh, aïe, 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 aïe. C'est mon beau-frère. Et mon beau-frère, il n'a pas su réussir à garder l'Oléon. Et voilà. Et voilà. Ben voilà. Ok. Bon, la Castille est out. Bon, ça va, elle a encore 2000 hommes, donc ça va. Principal héritier, c'est qui? C'est la comtesse. Oui. Ouais, donc là, ça va être sera bon, normalement. Donc, tac, tac. J'ai ce petit bout là aussi. Les petits bouts là. Oh, tiens. C'est un intrus. Le comte Procope d'Ibiza. Bon, bah, écoutez, moi, je pense qu'on va. On va vite régler le 1. 150. 175. 563. Oups, on va attendre un peu. Je pense qu'on va partir légèrement en martialité pour avoir le Bellum Justum. Et dès qu'on aura le Bellum Justum, ce sera mieux, je pense. Et alors, un mauvais présage, s'il vous plaît. Quatre-vingt-quatre%. Ah, les mottes, parfait. Alors, on peut choisir autre chose. Donc là, normalement, on est bon puisqu'on a tout découvert ici. Voilà, on a tout découvert. Donc on passe maintenant ici. Voyons voir. Ça c'est la partition, j'en ai pas besoin. Par contre, prestige mensuel plus 5%, ça c'est bien. J'en ai besoin. Non. Couronne élevée, ouais. Je vais essayer, il faut que j'ai du prestige et de la piété. C'est lui qui lui peut y arriver, mais il me faut du prestige et de la piété. Ouais, on va prendre les soldats de la maison. Ou les bouts fortifiés. Taille de levée plus 5%. Faut combien de temps?
41 ans, les soldats de la maison, 8 ans. Allez, on prend les soldats de la maison, plus de troupes. Plus de troupes, à troupes, à troupes, à troupes, à troupes. Voilà, donc il me faut masse prestige et masse piété pour le moment. Donc il me faut masse pognon, tout simplement. Donc là, c'est pour ça que je suis en train de faire la vérité relative, pour fabriquer des hameçons et obtenir des sous. Voilà, parce que toi, tu es quoi? Tu es calme, appliqué, brave. Donc c'est parfait. Voilà, tente en cuir. Tente en cuir. Cuir moustache. Parfait. Bon. Ouais, la guerre se passe bien. Donc en fait, finalement, faut pas que je fasse de guerre. Faut pas que je fasse de guerre. Faut vraiment que je laisse les coffres se remplir pour que je fasse des chasses. Voilà, pour que j'aille chasser, pour que j'aille faire un pèlerinage. Et après, ciao, ciao, bye, bye. Voilà. Une boisson revigorante. Allez, 78%, ça se tente. À la vôtre. Et voilà. Gain d'un niveau de l'émotion, c'est très bien. Oh, bah voilà. Eh ben bah voilà. Eh ben bah voilà. Malik, t'as plus d'alliance. T'as plus d'alliance et maintenant tu fais quoi? Tu fais quoi? Voilà, ça, c'est fait. Oui, alors les caballeros, c'est vrai qu'il faut que je les fasse aussi, les caballeros. Voilà. Donc là, on est bien. Ça coûte, mais voilà, il va falloir que je fasse du bellum justum, hein. J'ai combien en intrigue? 22, ça va. Ça va, 22 en intrigue. On va commencer à fabriquer des petits hameçons. Très bien, du prestige. On y est presque, hein, on y est presque. Hein, on est à 900, on y est presque. Ah! Ah oui, mais là, c'est que j'ai... Eh oui, garde du corps et... d'accord, ok. Donc, il me faut un garde du corps. Faut un garde du corps. Très bien. Il va me faire des chevaliers aussi. Il va me faire des chevaliers. Très important les chevaliers. Et un champion. Voilà. Il va me faire des chevaliers. Il faut que je regarde parmi mes courtisans. Qui? Alors, ma goûteuse, oui, elle est ma goûteuse. Tiens, hop, hein, en matrilinéaire, on va prendre quelqu'un qui est bon en prouesse. Conwallon, 23. Allez, tu viens là, toi. Tu viens là, parfait, ça fera un bon chevalier. C'est pour ça qu'après, je vais le changer. Voilà, moins 18. Ok, ça c'est fait. Ma fille, je vais plutôt m'en servir comme... ma nièce. C'est vrai que mon garde du corps, il m'aime vraiment pas. Hein. Ah mais oui, mais c'était mon... Bah oui. Mais oui. C'était mon... Bah oui. Bah oui. Je change. Ah, ça me coûte du prestige, purée, putain, ça me coûte du prestige. Ça me coûte du prestige. Génial. Mon champion qui me déteste. Génial. Génial. Purée de zut, de zut, de zut, de flûte. On va. Cours des ombres. Cours des ombres. Et on va essayer de chercher des secrets. Où est-ce qu'on pourrait chercher des secrets? Ici. Là, peut-être. Il attaque, t'as de la... Non, t'es pauvre. Là, il y a un peu d'argent à se faire. L'Italie, fais voir. L'Italie, t'es pauvre. Francie, il y a des secrets à faire? Ouais. Il y a potentiellement plus, il est gourmand, il est théologien, il y a peut-être moyen. France. Un vaurien irrationnel, c'est un ivrogne. Si c'est un ivrogne, il y a des bonnes chances pour... Oh, par contre, 20 en intrigue. Hein. 20 en intrigue. Mais c'est un pêcheur. Ouais, on va y aller. On va aller chercher. On va aller chercher les secrets. Non, pas ici. Là. La charte. Voilà.
On va chercher des secrets, je pense que ça va être très sympathique. Très sympathique. Je pense. Je vais aussi influencer effectivement mon champion. Parce qu'un gars qui m'aime vraiment pas, c'est dangereux. Je vais t'influencer. Voilà. Parfait. Et voilà. Donc, il va falloir que je fasse un. Il va falloir que je. Pardon, que je fasse un pèlerinage. Autre élément encore qu'il faudrait que je fasse, c'est réclamer de l'or évidemment au pape. En échange de. Ouais, mais c'est en échange de piété. Ah oui, non, mais il m'aime vraiment pas. Il m'aime vraiment pas. Donc pour le moment, c'est pas la peine. Très bien. Ah. Qu'est-ce qui se passe ici? Monsieur est en guerre. Gérone. Gérone, c'est où? Ah bah c'est parfait. C'est parfait. Donc potentiellement, un de mes seigneurs va directement s'en occuper. Parfait. Parfait, parfait. Que se passe-t-il? Aller chasser, accorder audience. Ouais, on va pas accorder audience tout de suite. Là, ça donne quoi là pour le moment? Pour le moment, ça va. Ah, il a une petite alliance, lui. Il a une petite alliance. Tiens, tiens, tiens. Oui, c'est ça. Aller chasser, ouais. Aller chasser, ça me permet d'aller récupérer du prestige. Votre manque de serviteurs. À niveau de vie à la cour royale, eh ben, attendez, mais bougez pas. Voilà. Voilà. Appliquer. Voilà. Là déjà on est mieux. Ensuite, du coup, aller chasser. Allez, on y va. On y va. Pour gagner un peu de prestige. Par contre, je gagne pas beaucoup d'argent, ça c'est pas top. Tu m'aimes pas, hein? T'es plus qu'à moins 17, donc ça va. Allez, hop, je veux du prestige. Je vais l'abattre. C'est moi qui veux l'abattre. Parfait. Hop, j'ai pris 300 de prestige. Nickel. Donc c'est bon, j'ai obtenu ça. Maintenant, il va me falloir m'aspiéter. M'aspiéter. Et du coup, il va falloir que je sois super copain. Donc là ça va, ça s'améliore. Donc je vais essayer de récupérer, parce que si je peux encore récupérer encore un peu d'argent sur l'église, ce serait bien. On va continuer à influencer, bien sûr. On y va. Alors attends, je regarde. Oui, ils ont tous plus de 3 ans. Ouais, tiens, d'ailleurs, ça me fait penser. Normalement, c'est bon, ils ont tous des tuteurs. Ouais, ils ont tous des tuteurs. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, il faut. Hop, voilà. Donc j'ai toutes les conditions. J'ai toutes les conditions. C'est bon, moi, mais il faut mythe de piété. Voilà. Mythe de prestige et mythe de piété. Donc le prestige, j'ai, et la piété, j'ai pas. Voilà. Tout simplement. Donc je ne peux pas encore. Donc voilà pourquoi. Donc là, pour le moment, bah, j'attends. J'attends, j'essaie d'économiser les sous. Allez, on continue, on continue, on continue. Ah, ça y est, je peux. Ma courtisane. Avec mon frère, fais voir. Bah, non. Ça y est, regardez, je peux demander de l'or. Je dépense de la piété, mais j'ai de l'or. Voilà. Très bien. Mais du coup, maintenant, je vais pouvoir essayer vraisemblablement de faire un petit pèlerinage. Est-ce que je peux faire un petit pèlerinage? Oui, je peux. Au minimum 170. Allez, on y va. On va où? 212? Ouais.
Bah écoute, le plus loin alors, le plus loin, on y va. On y va, c'est bon. Ça me permet de gagner. Allez, on y va. C'est parti. C'est parti, c'est parti. Toi, tu continues toujours à chercher, c'est bon, tu continues à chercher les secrets, c'est parfait. Toi, pendant ce temps, ma douce et tendre, tu vas m'assister. Des compliments, sa foi inébranlable en deux lieux. Bah oui, il est zélé, donc puisqu'il est zélé, c'est inébranlable. Des bandits, où est mon épée? 83%, ouais. Du cul. Vous allez vous en prendre plein le fion, les meufs. Exactement. Voilà, j'ai repoussé les bandits, j'ai pris du prestige. Oh, qu'il est beau, il est grand, il est fort. La fin est proche. Ils ont peur des paroles des prophètes de malheur. C'est un soulagement. Ce n'est pas un religieux! Faites-le descendre de là! Allez, de la piété en plus. Ça n'est pas le Messie, c'est juste un méchant garçon. J'y suis. Oh là là, 625 et je suis pèlerin! Oui! Oh. 861 de piété. C'est très très bon. C'était un excellent investissement. Voilà. Alors, ouais, est-ce que j'ai un professeur? Oh, bonne question. Est-ce que j'ai encore un professeur de langue? Est-ce que j'ai un professeur? Ben oui, j'ai toujours le professeur. Oui, je l'ai. Je l'ai, je l'ai. Donc c'est bon. Ce qui me fait penser. Ce qui me fait penser, elle, elle a 13 ans. Donc, faire étudier la langue à l'enfant. Ah, elle va étudier l'allemand. Lui, il a 13 ans, il est complètement déshérité. Il pourrait accepter. Non, mais d'abord, tu vas apprendre la langue à l'enfant. Ensuite, lui, qui va être mon héritier, il va étudier, il va étudier. Il va apprendre quoi? L'arabe. Bien. Très bien. Il va apprendre l'arabe. C'est très bien. Parfait. Ensuite, elle, qui a 5 ans. Ah oui, il faut qu'elle ait 6 ans. Voilà. Paf! Ouais, je vais construire un temple. Ouais, t'as raison. Ça, construire un temple, et en plus de ça me permettra si jamais, bah oui. Puisque du coup, ils seront de ma foi, ça va me permettre d'avoir des sous en plus, etc. Mais il me faut de l'argent. Il me faut de l'argent pour ça. Et on va en construire un pamploune. Ah non, il y a déjà. C'est déjà full. Sobrarbe peut-être? Ouais, Sobrarbe. Voilà, Sobrarbe, par exemple. Hop. Sauf que, bah, j'ai pas les sous. Il me faut 300. Voilà. Il me faut 300. Détour. Voilà. Donc là, on est bien. Alors, qu'est-ce qui se passe? Accorder audience. Ah, bah oui, bien sûr. Attends, bouge pas. Il y a quelqu'un qui voulait me. Qu'est-ce qui se passe? Ah, encore un petit artefact. Que se passe-t-il? L'articulation du doigt de Saint Matthieu. Piété plus 0,1 par mois. Parfait. Je crois que je suis allé le chercher. Voilà. Plus 0,1 par mois, on est bien. Il me faut des sous, masse, il me faut masse, 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 masse. J'ai 13 ans, très envie, mais. Non, je suis même pas obligé. Je suis pas obligé de le faire. Parce que j'ai déjà fait le succès. Bon, je peux, hein, je peux, ça, il n'y a pas de problème. Et je vais essayer, si possible, d'y arriver. Tiens, tiens. Ah non, il est en trêve. C'est lui, c'est lui, c'est lui. Parce qu'il a épousé, c'est ça, il a épousé mademoiselle. Il a épousé mademoiselle. Ça va. Ça va, ça va. Donc on va quand même continuer. S'embourber, ne reculez jamais. Voilà, Pierre-Ress est brave, c'est très bien. Mais fait, j'aurais dû l'appeler Jean-Eudes. Le chemin de Saint-Jacques, payer des gardes. Ah non! Si! Ah mais oui! Je paye 175. Mais oui! Ah oui! Ah oui. La ville sainte de Saint-Jacques-de-Compostelle attire les pèlerins. Le chemin qui y mène depuis les contreforts des Pyrénées est donc très fréquenté. Et là où il y a des gens riches pour se rendre sur le lieu saint, il y a aussi des gens qui cherchent à en tirer profit. C'est le cinquième rapport d'un vol violent. Allez, on paye. On paye, mais on gagne. Piété.
On gagne de la piété, c'est parfait. C'est parfait, c'est parfait, c'est parfait. Ouais, très bien. Ok, bah continuons. Toujours pas de secret. Toujours pas de secret. Allez, 978, on va pouvoir s'en occuper. Je peux avoir des sous. Galindo. Non, mais t'es. Alors, oui, d'accord, mais t'es pourri. T'es pourri. T'es pourri. Voilà, t'es Galindo, t'es pourri. T'es juste pourri. Voilà, point barre. T'es pourri. Ok, donc là on continue. Défi en érudition, hein. Défi en érudition. Soixante-dix pour cent de réussite. 70%. Ouais, sans de piété en plus. Ça y est, c'est fait. Ah, Géramiro qui a une nouvelle inspiration. Géramiro qui a une nouvelle inspiration, messieurs. Allez, et en plus j'ai des sous. Allez, attention. Oui, tu as raison, j'ai emprunté pour mon audience à la cour. Alors déjà, que se passe-t-il? Le vin offense Dieu. Mais non, un peu de vin, ça maintient les équilibres. Du prestige. Voilà. L'inspiration, fais voir. Il veut faire quoi? Un meuble. Non, mais j'ai déjà des meubles. J'ai déjà des meubles. Désolé, désolé frérot, mais non. Non, non. On va faire. Voilà, on va accorder audience. C'est parti, on accorde audience. Alors. Faire un geste, c'est parti. Le comte s'avance avec assurance et sans fournir aucun contexte par la voix basse. Je suis prêt à oublier mes griefs si vous revoyez mes obligations contractuelles envers la couronne. Bien que les rumeurs disent que mes vassaux se rallient pour devenir indépendants, Shem ne le reconnaîtra certainement jamais publiquement. C'est vrai que. Ah bah oui! Eh bien oui, mais toi, c'est vrai que toi, il faut que je m'occupe de toi. Alors. La faction pour l'indépendance est dissoute. Ouais, non. Non. Défi en diplomatie, encore de la piété. Allez, on va faire un. Bougez pas. Donc défi en diplomatie. C'est pas top, hein, mais. Cinquante-cinquante. Et merci Jarod pour ton follow. Bienvenue à toi. Bienvenue, bienvenue. Bienvenue dans nos aventures au Pays Basque. 50%, c'est chaud, hein. C'est chaud. Non, c'est chaud, c'est chaud. Je pourrais obtenir du prestige, mais non. Tant pis, j'accepte. Alors, Obeko peut à peine contenir sa rage. Quelque chose doit être fait à propos de cet étranger d'origine séfarade. Ah bah tiens, c'est parfait, j'en ai assez du comte Shame. Bien. Notre noblesse doit être basque. Mais bien sûr, notre noblesse doit être basque. Parfait. Donc bienvenue, Jarod. Comment vas-tu? Bienvenue, bienvenue. Là, non. 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 Notre noble. Voilà. Notre noblesse doit être basque. Voilà. Monseigneur, je représente la communauté religieuse d'Arnedo. Oui, bonjour. En fouillant dans le modeste archive, nous sommes tombés sur un livre très particulier. La couverture était poussiéreuse, la reliure fragile, les pages jaunies, mais il contenait les dessins les plus insolites. Ouh. Le texte était inconnu de nous tous. Alors, la première lettre, c'est un K. La deuxième lettre, c'est un A. La troisième lettre, c'est un M. Il y a des dessins étranges. Après, nous sommes certains qu'il s'agit d'un ouvrage unique au monde, une mine de connaissances. On vous l'offre. Un livre mystérieux. Prestige mensuel plus 5. C'est un faux. Alors. Donc, soit je dépense du prestige, mais enfin, ça va. Allez, on essaye. C'est une Bible grecque. C'est une Bible grecque. Bon, bah écoutez. Ça va.
su peut-être mieux, su peut-être pire, donc ça va. On insiste le dirigeant, c'est parti. Voilà, donc ça c'est fait. Du coup, on a tout ce qu'il faut. Allez, attention, let's go, messieurs, il est plus que temps. Tu arrives pile à temps, Jarod, parce que désormais. Pourquoi je peux pas défendre? Je suis déjà dans les activités, qu'est-ce que je suis en train de faire quoi? Ah, voilà. Et voilà, je vais défendre la foi des Basques. J'obtiens le surnom le païen. Incroyable. Donc j'obtiens la foi Erazahara, qui a quoi de particulier? Syncrétisme chrétien. Donc les fois chrétiennes sont hostiles au lieu de néfastes. Donc je peux utiliser tous les artefacts chrétiens. 30% de 30 points d'opinion avec les fois chrétiennes. Très bien. Parfait. Très bien. Parfait. Ensuite, redoute chtonienne. Vitesse de conversion de comté en terrain montagneux, plus 50%. Vitesse de promotion de la culture en terrain montagneux, de même foi, plus 50%. Donc ça, c'est très très bien. Faire du très géant une vertu. Piété plus 1. Parfait. Donc ensuite, qu'est-ce qui se passe? Attrition, moins 50% dans les montagnes. Excusez-moi. Plus 5 de défense, hein, davantage dans les montagnes, que ce soit attaque ou défense. Plus 30% de levée dans les montagnes. Pareil, hein, et c'est pareil également donc dans les déserts. Yes! Ensuite, vitesse de conversion des comtés de ma culture, plus 50%. Vitesse de promotion de la culture dans les comtés de ma foi, plus 50%. Très bien. Monogamie, très bien. Domination masculine, on est pluraliste. Ok. Théocratique, on pourra la réformer. Hein. Mais on est pas mal. Hein. On est pas mal. Bah, let's go. Allez, let's go. On y va. C'est parti. On embrasse la foi. Voilà. Je prends 105 de stress. Aïe, aïe, aïe. Alors, qu'est-ce que j'obtiens ici? Alors, belliciste. Belliciste, mais bien sûr, belliciste, mais bien sûr, bien sûr. Ah oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Parfait. Caractère sacré de la nature. Attrition dans la jungle, en forêt. Non. C'est marrant ça d'ailleurs. Par contre, je suis fondamentaliste. Hein. Ouh là 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 là, je suis fondamentaliste. Par contre, je peux révoquer les titres terriens d'infidèles hostiles ou néfastes sans encourir de tyrannie. Non réformé, j'obtiens 2000 en dévotion. D'accord. Mais là, c'est pas intéressant. Syncrétisme islamique, non. Ben, on y va, hein. Je bim. Voilà. Let's go. Oh, yes, c'est les monts cheval, j'ai besoin de sortir. Oh là là, c'est parfait. Je suis. Gloire à Marie? Ouais. Tu vois, elle est quoi, elle? 23, yes! Ah merde, désolé, j'ai pris le deuxième. Désolé, j'ai pris le premier. Parce que j'étais Bélicis, il me paraissait plus intéressant. Aucun effet immédiat, non, j'ai Esmeralda. Ouais, très bien, parfait. Ça, c'est très très bien, par contre. Parce que du coup, toi. Pas, d'accord, tant pis. Mais elle est bien, elle. Voilà. Du coup. Voilà, donc j'en ai quand même pas mal hein, qui se sont convertis directement. Et d'autres qui sont en cours de conversion. Ok. Ok. Du coup, ici, toi, tu veux pas te convertir. Hein, parce que toi, il pourrait accepter. Lui, il va vraiment falloir que je fasse quelque chose. À mon avis, lui, il va falloir que je lui réserve un sort. Je lui fasse un sort, lui, à un moment ou à un autre. Donc ça c'est fait. Ici. Bien. Parfait. Mon maréchal s'est converti, donc ça c'est très bien.
Encore un? Mais c'est pas possible. 25 en intendance? Mazette. Allez. Alors, du coup, pour les factions de dissolution, donc j'en ai qu'un. Ok. Pour les autres, ouais. Lui, parce qu'il est juif. Lui, parce qu'il est catholique. Ah oui, il est zélé, donc il n'a pas voulu. Et lui, parce que c'est un catholique un peu. Alors. Il a 26 quand même. Oui, voilà, au pire, je crée un schisme. Oui, au pire, je crée un. Il est pas mal, attends, il est pas mal. Hein. C'est même mieux, attends. Mais l'autre, il va vouloir. Bah ouais. C'est un vassal puissant, lui aussi. Mais 26. L'autre va perdre 60. Je suis en train d'influencer ou pas? Je sens qu'il va y avoir des petits problèmes. Mais bon. Parce qu'il est bien gentil, mais 14 contre 26, quoi. Alors, que se passe-t-il? Cette femme vous cache un secret. Votre préoccupation... Ouais. Merci, c'est très apprécié. Voilà. Donc là, on est bien. Le royaume de Jure a grandi. Alors, attends, fais voir. Non. Non, pour le moment, il y a juste ça. Non, c'est juste ça, le royaume de Jure. Pour le moment, j'ai pas... promouvoir l'acceptation culturelle... Je peux pas agrandir pour le moment. Intégrer le titre. Voilà. Hop, voilà, là maintenant je peux. On va faire la Gascogne. Attends. Où est-ce qu'on pourrait le mettre? Hop, on va faire la Gascogne. Let's go. 42 ans pour l'intégrer. Aïe, aïe, aïe. Ok, donc ça c'est fait. On est bon. On est bon. Alors ici, on en est au niveau de l'alliance. Là, les alliances se sont renforcées. Excusez-moi. Que s'est-il passé? Pof, pof. Excusez-moi. Ok, bien, parfait. Là, on est très, très, très bien. Dès qu'on peut, on va organiser un petit banquet à nouveau. Voilà, il nous faut 100. Donc, dès qu'on peut... Oh, on va aller même, d'ailleurs, évacuer le stress. On va tout de suite évacuer le stress. On aura une petite odeur de sueur, mais c'est pas grave. Voilà. On est très, très bien comme ça. On est très, très bien. Mais évidemment... Ah oui, non, mais ça va être très très bien sur le long terme. Voilà. Bon. Tac. Donc on va s'occuper ici. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Attendez, hop là, excusez-moi. Paf, paf, que s'était passé? Décidément, il n'y a rien à la cour du roi Louis. Qu'est-ce qui s'est passé? D'accord, ok. Il n'y a rien du tout, donc on va interrompre les complots. Tant pis. On interrompt les complots. Tant pis, on arrête. Azam me déteste. Hein. Azam me déteste. Il va falloir que je lui fasse un sort, hein, lui, à Azam. Bien. Donc ça, c'est fait. Ça, c'est fait. Ensuite, il était dit que je pouvais usurper également le royaume. Alors, attends. Ce serait l'Empire d'Hispanie. Ok. Fonder un nouvel empire. Il me faut quoi? Donc, rayonnant, j'en suis loin. Il me faut 120 et 3 royaumes. Effectivement, au moins un de 6 suit.
3 royaumes et 80. Sinon, on va partir sur l'Hispanie, hein. Ou sinon, on part sur la France. Non, mais de toute façon, ça va être Navarre. Ça va être Navarre, de toute façon. Ça va être l'Empire de Navarre. L'Empire basque de Navarre. Alors, la Lotharingie, t'en es où? Ouais. La Bourgogne, t'en es où? Ah ah! Deus vult. Allez, bon, on y va, hein. Ah, on y va pour les garçons, t'as maintenant. Allez, hop, on y va. Là, on va faire du Deus vult, mais alors. Alors, fais voir. Ouais, pas mal. On pourrait prendre Lyon, ou on peut prendre le duché de Provence. Ouais, pas mal. Moi, je dis, c'est pas mal. Là, on va commencer à y aller dans le Deus vult. Là, on va y aller dans le Deus vult. Parce que sinon, ici. Ici, si je déclare la guerre, ouais. Un peu limite. Si je vais ici, par contre, là, je peux pas. Là, je peux pas faire de Deus vult, en fait. Là, les Deus vult, ça va être un peu compliqué. Par contre, les Deus vult contre la Lotharingie, par exemple. Ah, je suis en trêve. Mais, quelle fin? Alors, j'avais fait la domination. Donc, ce que je pourrais essayer de faire, ce qui pourrait être intéressant, c'est voilà, conclure la Lettie-Ibérique en statu quo, par exemple. Voilà. Ça pourrait être intéressant. Pas de guerre. Alors, ça va être un peu difficile, bien sûr. Pas de guerre, ça va être un peu compliqué. Mais tous les autres dirigeants impliqués. Ça change suivant les types de phases. Ça change suivant les ou la détente, fais voir. Il faudrait que j'ai une alliance avec tout le monde. Ça va être compliqué de faire une alliance avec tout le monde. Ça va être compliqué. Mais voilà, moi j'avais fait prédominance. Je l'avais déjà fait. Parce que j'avais eu le succès. Donc je voudrais peut-être un autre truc. Et peut-être potentiellement. Je dois détenir et contrôler complètement tout royaume de Jure d'Hispanie. Donc c'est bon, j'en ai un sur un. Et tous les autres doivent avoir. Voilà. Et je dois contrôler moins de 50% de la région d'Ibérie. Donc en fait, ce que je vais faire, c'est que je pense que on va faire des alliances. J'ai plus d'alliance avec l'autre. Donc voilà, donc je pourrais tenter de faire des alliances en fait. Non, statu quo, là, il est un peu compliqué à faire. On va partir sur la détente. Mais ça voudrait dire, je pense, faire quelques assassinats, quelques petits accidents, parce que moi, ça va, il faut, voilà. Je dois pas posséder plus de 50% du territoire. Pas plus de 50. Le statu quo, tu trouves ça drôle et intéressant? Chaque duché indépendant ou séparé devient un royaume de Jure. Les duchés complètement contrôlés et reliés se transfèrent de Jure au royaume principal. Ah oui, par contre, effectivement, ouais. Ça, effectivement, c'est intéressant. Chaque royaume de Jure avec plus de 5 comtés devient un empire. Ouais. Non, c'est compliqué. Ouais, non. Non. Je pense, on va peut-être essayer la détente. Ouais, on permet en permanence le mariage interfoi. Par contre, plus de guerre sainte entre toutes les cultures impliquées. Mais ça, je m'en moque. Permet en permanence aux dirigeants, aux cultures et foi impliquées de se joindre en guerre défensive. Ok. Ouais, je pense que je vais essayer de partir sur la détente. Donc, il faut que je possède 50% ou moins, peut-être même moins de 50% de la région. Il faut qu'on soit en phase de conciliation. Ok, ça, on peut attendre. Ça doit être rayonnant. Et les autres ont une alliance avec moi. Sauf que là, donc on doit partir vers la conciliation. Donc on va aborder, ok, conversion à la culture aux fois impliquée locale, meilleur ami, rançonner un dirigeant impliqué, construire un bâtiment dans une propriété citadine. Ok. Donc on va essayer, donc il faudrait qu'on parte sur des alliances. Il faudrait qu'on parte là-dessus.
Mais ça va être compliqué hein, quand même de parvenir à tout ça quand même. Hein. Ouais, ça crée des royaumes et des empires. Ouais, ça me paraît peut-être un chouïa complexe. Donc on va continuer. On va continuer dans un premier temps à conquérir un petit peu. Catholique basque. Non. Bordeaux, Albret, Béarn. Le comte Louis, c'est bon. Lui. Toi, mon gars. Toi, mon gars, c'est parfait. Donc je pense qu'on va partir. On va continuer à les taper sur les musulmans, hein, bien sûr. Est-ce que j'ai des assassinats en cours? Non. Donc je vais assassiner monsieur. On va assassiner monsieur, 32%. Qui est-ce que je peux inviter? 39 points, très bien. Merci. On est bien, on va soutenir les complots. Voilà, c'est parti. Voilà, 83%. On va même mettre quelqu'un d'autre. On va mettre quelqu'un d'autre. Est-ce qu'on peut? Oui, je sais qu'on peut. Voilà. Ah bah t'es une courtisane, parfait. Une courtisane. 37, c'est parfait. Let's go. On sera bien. Et je sens qu'il y a moyen de faire des choses sur le Malik. Voilà. Donc ça sera fait, ce sera bon. Toi, t'as 2000 hommes. Toi, t'as 2000 hommes. Donc il va falloir qu'il t'arrive quelque chose. Très bien. Voilà, très bien, parfait. Merci. Du prestige en plus. On est très très bien. On pourrait faire un petit Deus Vult là sur la Bourgogne. Travailler dur. Mon fils est héritier, appliqué, mais c'est très bien. C'est très bien, parfait. Appliqué, c'est très très bien. Les autres, généreux, non. Patient, non. Appliqué, c'est très bien. Voilà. Il est bien, là. Hein. Il est bien, parfait. On va essayer de partir sur la détente. Ok, donc là, jusque-là, ça va bien. Je pense qu'on pourrait se faire un petit Deus Vult, hein. Un petit Deus Vult sur la Bourgogne. Ouais, Deus Vult sur la Bourgogne, Deus Vult sur la Bourgogne, messieurs, Deus Vult sur la Bourgogne. T'as quoi, toi, comme troupe? Piétaille en armure, nanani nanana, ok. Et puis on pourra après aussi, évidemment, ça pourrait être intéressant, fonder un ordre sacré. Voilà. Évidemment. 500 en or et 1000 en piété. Évidemment. Pas avant 1007. Ok. Voilà. Donc je pense qu'on va faire un petit Deus Vult. C'est parti, Deus Vult. Voilà, Deus Vult, Deus Vult, Deus Vult. Guerre sainte pour un duché, le duché de Provence, Deus Vult. Allez, Deus Vult, Deus Vult, Deus Vult. Deus Vult, Deus Vult, Deus Vult. C'est parti. Ah non, il a trouvé des troupes, le salaud, il a recruté des hommes. Ah, les Templiers ont été recrutés. Eh, merdoum. Il a recruté les Templiers. Aïe, aïe, aïe. Ah, oh! J'ai hérité de la norme. Waouh. Eh oui, ben oui, papa est mort. Ah là là, papa est mort, mais j'ai hérité de la Normandie. J'ai hérité de la Normandie, j'ai été submergé par le stress. Ah là 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 là. Ouais, oh, ça va. Hein. Il a 7000 hommes, j'en ai 6400. J'ai trop de duchés possédés. Ben oui, évidemment. Ben oui, j'ai le duché de Normandie. Il faut que je l'accorde, le duché de Normandie. Mais à qui? Ben oui, mais j'ai Rouen. Ben voilà, ben oui, mais j'ai Rouen en trop. J'ai Rouen en trop. Ben voilà, on va donner Rouen. Hein? Les chrétiens, ben oui, évidemment. Les chrétiens sont hostiles. Ben oui, fallait s'y attendre. Mais en vrai, bouge pas. Je vais donner Rouen à qui? Ben mon héritier. Voilà, ça va être mon héritier qui va devenir accorder le titre Rouen. Je peux pas? Donc il faut que je le donne à quelqu'un d'autre. Donc il faut que je le donne à lui. Non, je vais le donner à lui.
Voilà, je le donne à lui. Je le donne à mon consanguin de fils. Je le donne à lui. Parce que du coup, ça me permet de lui filer tout le duché de Normandie. Qui je peux faire? Est-ce que j'ai des... Il faut que je donne le duché. Alors, à qui je vais donner le duché? Vraie question, ça. À qui je vais donner ce duché? Je peux pas le donner à l'héritier. J'ai pas spécialement envie de le donner à mon consanguin de fils. Parce que si je le mets à mon consanguin de fils, c'est ça. C'est ça. Donc ce serait plutôt à lui. Mais le truc, c'est que je suis encore en train de l'éduquer. Donc comme je suis encore en train de l'éduquer, j'ai pas envie. Parce que tous les autres, en fait, vu qu'il a 7 ans, tous les autres vont se révolter contre lui. Donc là, c'est pas l'idéal non plus. Là, tous ceux de la région vont en profiter pour aller le taper. Attendre un peu. Ouais. Ah, et puis il a formé une alliance en plus avec la Corse. La lettre du pape. Le roi Eustache de Bretagne. Non. Non. Donc le roi de Bretagne, intéressant. Très intéressant. J'ai combien de pignons en moins là pour le moment? Alors bouge pas. Vassaux. Moins 15. J'ai moins 15. Si je regarde, il y en a quand même. Il y en a quand même pas mal qui m'aiment pas beaucoup là. Ouais, j'en ai quand même quelques-uns. Mon frère et vassal n'a pas voulu. Oh, mon frère et vassal n'a pas voulu se convertir. Ah, il n'a pas voulu se convertir. Ah, c'est ennuyeux ça. C'est très ennuyeux s'il n'a pas voulu se convertir. Donc c'est pour ça que. Ah bah attends, en plus il est là lui. Bah oui, il est là en plus. Il est là. Il est là, il est là. Donc en plus, il a quoi comme revendication? Bah ça tombe bien, il a le duché de Normandie. Donc je pourrais être. Alors, il m'aime pas. Il m'aime pas. Mais si je lui donne Rouen et que je lui donne le duché de Normandie, il devrait m'aimer davantage. Devrait m'aimer davantage. Alors, le truc, c'est que si jamais il devient complètement duc et qu'il se révolte contre moi, ça va être un peu compliqué. Tiens, Cib, 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 Cib. Cib, Cib, par contre, il m'adore. Donc, Cib, à la limite, Cib, tu sais quoi, tu vas aussi devenir, je pense que Cib pourrait devenir duc de Normandie. Il pourrait, parce qu'en plus, comme il a il a qu'un seul fils là pour le moment. Ah, il a qu'un seul fils pour le moment. Il n'a qu'un seul fils pour le moment. Et en vrai, Cib, c'est peut-être pas forcément un mauvais parti. Que tu vas exister. Je pense que je vais donner à Cib. Alors, évidemment, il va avoir deux duchés. Il va être super puissant. Il va être super puissant, mais.
Il y a peut-être moyen de faire quelque chose. Il y a peut-être moyen de faire quelque chose. Je pense que c'est ce qu'il faut que je fasse. Pour finir, Sib, il a tout. Ouais, Sib, il a tout. Mais là, il est super fidèle, hein. Qui je peux le donner? À qui je peux le donner? J'aimerais bien que ça reste dans la famille. Bon, quoique. Parce que, franchement, voilà, le déshérité, niette. À mon neveu. Voilà, mon neveveu. Ah, mais il a 14 ans. Ouais, non, mais, non, mais c'est son fils. Non, c'est le fils de Sib. C'est le fils de Sib. Ben, si je peux. Ben, si je peux. C'est bon. Donc voilà. Et toi, je te donne aussi le titre de duc. Oh non, mais allez boire un coup, je vous assure, hein, ça ira mieux. Ça va être plus simple comme ça. Un géant, mais c'est bon, c'est un géant de mémoire. C'est un géant. Voilà. Il a que 7 ans, mais c'est un géant. Voilà. Hop. Ensuite, on va faire ça par puissance d'alliance. Une bossue. On va peut-être éviter. Mais ouh. Ouh. Alors, elle est peut-être bossue. Mais c'est une nordique. C'est une nordique. T'en penses quoi? Est-ce qu'il y aurait moyen de voir un géant bossu? Ça pourrait être drôle. Préférez une jolie italienne, vous? N'y a pas. Alors là, pour le coup, c'est très très loin après. C'est très 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 loin. Prussien, nordique, Aberdeen. Non, c'est trop loin. Par contre, voilà là. Là, honnêtement, t'as le royaume de Jutland à 9000 hommes. Et là, voilà. Voilà. Et là, du coup, le roi, bonjour. Voilà. Et là, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Avec Ramiro. Allez, Ramiro, c'est parti. J'ai des bibelots encore. Alors, fais voir ça. Prestige, ouais. Voilà. Let's go. Puis tu sais quoi, on va même aussi récupérer des mercenaires. Alors, qu'est-ce qu'on peut... Pop, ici. Des marcheurs de Vasconie, c'est parti. Vous allez me Let's montrer un go. peu ce que vous êtes dans le froc, ma mignonne. On va essayer, on va essayer, on va essayer. Bim. Voilà. Excellente nouvelle. Excellent. Atout en intrigue disponible, c'est parfait. Donc... Alors, on y va. On va préparer pour tout. Non, exécution rapide. Exécution rapide. Let's go, let's go. Je suis toujours en intimidation. Parfait. Voilà. Et là, il y a des trucs sympas qui peuvent potentiellement se produire. Alors, Jutland, où est ton armée? Tu es en train de la lever. Voilà. Donc, on en est où dans cette guerre? Ah oui, on a le roi de Corse. On a le duc de Corse, là. 900 hommes, ça c'est pas non plus. Voilà. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre en colline.
Bon, alors on va se mettre dans la colline. Let's go. On va se mettre ici. Voilà. Et du coup, maintenant, ben, on va ici. On va ici, let's go, c'est parti. Hello Aotep, comment vas-tu? Bienvenue à toi. Bienvenue dans cette aventure basque dans laquelle nous allons essayer de promouvoir évidemment la culture et la foi basque, tout en faisant en même temps un autre petit élément assez intéressant, tuer le maximum, mais alors vraiment tuer le maximum de Carolingiens. Je crois que c'est un... je sais pas, je connais pas ce royaume de Jutland, mais c'est pas la première fois que je le vois apparaître. Allez, je bim. Voilà, et ça y est, il est là, et là, ça va taper sévère, là, maintenant. Ça va taper sévère, voilà. On a 9000 bons gros Normands qui sont là, 9000 Normands, bien gros, bien gras. Allez, vous venez me voir, vous allez voir, ça va taper sévère. Je vais regarder la carte des royaumes. Ouais, je regarde la carte des royaumes. Hop, bouge pas. Bah écoute. Si, ça a l'air d'exister. Ça a l'air d'exister. C'est bon. Il existe. Donc bienvenue. Bienvenue à Otep. Ouais, ça fait une heure qu'on est déjà en live. Alors, mon royaume, hop, c'est très simple. C'est la Navarre. Voilà, c'est la Navarre. J'étais parti ici au départ. Du Béarn. Voilà, j'étais parti du Béarn, ici. Et j'ai réussi à conquérir hop, tout ceci. Voilà. Sauf qu'évidemment, il y a un truc très particulier. Je joue en me spécialisant très majoritairement en martialité et intrigue. Voilà. Parce que donc je décide en fait de jouer un petit peu RP. Alors, le personnage n'était pas du tout basque, mais de m'inspirer d'une grande figure de la péninsule, à savoir Viriato, qui était spécialisé, justement, un grand général au temps de l'Antiquité romaine. Alors oui, bien sûr, je suis à moitié basque, mais j'avais envie, parce que c'est ma deuxième run en fait sur le DLC, c'est la deuxième run sur le DLC, j'avais fait la première run en faisant, voilà, en partant de Shenshir, c'était pas très difficile, voilà. Donc j'avais déjà réussi à unifier, etc. J'avais fait un truc assez intéressant, qui était d'être musulman, unifier tout ça, venger Poitiers, et ensuite devenir mozarabe et tout convertir au mozarabisme, voilà. Donc là je me dis, allez hop, cette fois on va faire le Pays Basque. Voilà. Allez, venez. Allez, on va taper. On va taper. Voilà, on va taper. Ils veulent pas venir, hein. Ils veulent pas venir. Bah écoutez, on va aller assiéger. C'est parti. Ouais. Alors, mes agents ont planifié un trajet. Très bien. Oh, les bois, c'est dangereux, les bois. Les bois, c'est très dangereux. Et voilà, il est mort. Et il y a de l'orage qui se profile. Voilà. Donc là, mon fils a appris l'arabe. C'est très bien. Parfait. Donc voilà. Donc c'est une run, voilà. Un petit peu différente. Alors, sachant que donc j'ai pris, voilà, des généraux vraiment spécialisés là-dedans. Enfin, des nobles. Une famille spécialisée là-dedans. C'est la dynastie de Chorizo. Voilà. Et ma fille a appris l'allemand. Très bien. Incroyable, c'est la vérité en plus. Donc là, on va prendre la capitale. Ouais, non mais c'est comme quoi, ouais, ça arrive. Ça arrive. Le Corse qui essaie de revenir. Allez, on va prendre la capitale. Vous allez voir, c'est très beau, c'est très grand, c'est très fort. Et on va prendre tout un duché là. C'est beau. Allez, on s'en occupe. Voilà. Bim, on a pris le fils et héritier du roi en otage. C'est très bien. On va attendre un peu qu'il y ait aussi un autre territoire qui soit pris. Intérêt changeant. Ah, mon héritier, il veut quoi, lui? Je l'avais orienté encore en intrigue. Il veut rester inconstant. Non. Colérique. Non. Indulgent. Non, mais c'est pourri, là. Ah, là, c'est pourri, là. C'est pourri.
Ah, d'autres filles n'ont bossu essayé de marier ton duc de 9 ans à elle après avoir tué sa fiancée bossue. Je peux essayer. Je peux essayer. Colérique, c'est pas top. Intrigue moins 1, martialité plus 3. Redoutabilité naturelle plus 20. Ouais, quand même. Mais inconstant, non, quoi. C'est immoral en plus, c'est immoral. Immoral, non, non. On va prendre colérique. On va prendre colérique à ce moment-là. Parce que vraiment, indulgent, c'est pas top. Indulgent, c'est non. Non, non, non. Pourquoi? Parce que s'il joue en plus intrigue, non, non. On va partir sur du colérique. On va partir sur colérique. C'est parti. Ah, Émilie est adulte. Incroyable. Ils grandissent vite, mais oui, ils grandissent vite. Et Piarès est adulte. Parfait. Il est consanguin. alors avec qui je pourrais te marier? Quarante-quatre ans, c'est un peu, ouais, non. Non, mais c'est très bien, voilà, 14 ans, très bien. Hop, de toute façon, il est déshérité, donc c'est pas un problème. Non, non, ah, tu veux que je l'envoie dans les ordres? Je peux pas. Je peux pas l'envoyer dans les ordres. Je peux pas. Je peux pas l'envoyer dans les ordres. Elle. Elle, on va faire dans matrilinéaire. Alors, qu'est-ce qui pourrait être sympa? La confrérie teutonique. Non, il faut pas rêver non plus, hein. C'est où ça? La vache, c'est loin. Oh, des Catalans. Ben voilà. Très bien ça. Voilà, des Catalans supplémentaires. Hop. Alors, je sais qu'ils sont catholiques. Je sais. Mais si je peux, du coup. Voilà. Toi, à un moment, acceptation, parfait. Voilà. Paf. Voilà. Ça, c'est mieux comme ça. Ah ben oui, c'est. Non, il n'était pas marié encore. J'avais envoyé la demande, en fait. J'avais envoyé la demande. Du coup. On va terminer la guerre ici. On termine la guerre ici. Une fois que c'est fait, on obtient tout ça et j'essaie de régler la question. J'essaie de régler la question. Alors, du coup, voyons voir, voyons voir, voyons voir, voyons voir, voyons voir. Est-ce qu'il a d'autres filles? Bah, j'ai l'impression que elles sont déjà mariées. Elles sont déjà mariées. Elles sont déjà mariées. Ça va être compliqué. Ah ouais, moi je vais faire une dynastie de consanguins, tiens. Je vais faire la dynastie de consanguins. Allez, on va terminer cette guerre, puis je pense que je pourrais, vu l'heure qu'il est, arrêter la session pour ce soir. Voilà. Je peux rançonner? Oh, je peux envoyer un cadeau. Non. Voilà, 91%. C'est parfait, c'est très bien. Allez, on termine ça et on est bon. On termine ça et on est bon. Et on a récupéré tout un duché et ça, c'est bien. Oh, et puis il y a la Lotharingie. Ah non, il y a la duché de Provence qui est en guerre contre qui? Armée hostile. Ah, une méprise. C'est un immense malentendu. Ouais, enfin, de toute façon, j'ai jamais vraiment réussi à le terminer. Ok, je vais aller ici à la cour. Qu'est-ce qui se passe? Un artefact. Encore un artefact à placer. Que se passe-t-il? C'est quoi? C'est la lettre du pape. Ah ben, bien sûr. La lettre plus de piété. Parfait. Let's go. J'ai encore un autre truc? Ah oui, mais l'articulation, je peux plus la mettre puisque évidemment. Pourquoi je peux pas la mettre? Je crois que c'est un bug.
Ok, donc ça c'est fait. On va terminer ici, là on sera bon. Vous la trouverez dans la mort. Ah bah ça tombe bien, regardez, ils sont juste là, incroyable. Ouh là, ils sont 9000. Ils sont 9000. Alors, ne bougez pas. Donc là déjà on termine la guerre ici. Merci. Voilà, déjà ça c'est fait. Ensuite, on va là. Il est où? C'est qui? C'est Gisabert. Gisabert, il est où? Pas moyen de savoir où il est en fait. Le truc, c'est où est-ce qu'il est? Tu es où? Se trouve à Gérone. Donc il est là. Il est là. Ok, il est là. Let's go. On y va, on y va. Bon, ma fille a appris une langue. Parfait. Les boules de colère, c'est parfait. Ouais, il est là. Il est ici. Ils veulent essayer de se retrouver par là. Ok. Très bien. Bah écoutez, on va aller se mettre par là alors. Hein, voilà, allez-y. Parfait. Regroupez-vous ici. Vous allez voir, ça, vous allez vous amuser. Vous allez vous amuser. Alors, où est-ce qu'il va à l'autre? Voilà, allez hop. Vous allez voir, ça va faire 2000 hommes en moins d'un seul coup. Mon cousin a formé une faction. Ah bah bravo. Mon fils a appris l'allemand. Très bien. Alors, ce qui me fait penser que j'ai des terres à donner. J'ai des terres à donner. Normalement, j'ai même un duché en trop. Non? Je pourrais usurper le duché de Provence. Très bien, donc j'accorde à quelqu'un un noble de culture basque. Voilà. Ici, j'accorde à un noble de culture basque. Voilà. Toulon, j'accorde à un noble de culture basque. Et Arles, un noble de culture basque. Voilà, hop, ça c'est fait. Et masse prestige, on est bien. Voilà, ça c'est mieux déjà. Ensuite, 15% de victoire, c'est tant mieux. Ensuite, on va aller ici, on va aller taper en Albret. Et où est-ce qu'il est passé? Il est passé où? Dans le golfe de Cadix. D'accord, donc il est là en fait. Il est là, donc il veut partir par là. D'accord. Mais écoutez, d'ailleurs, il ressemble à quoi? Il ressemble à quoi? 19, 13, il y a moyen d'en faire quelque chose. Il y a moyen d'en faire quelque chose. Allez, let's go. On va taper ici. On se dépêche, on se dépêche. Allez, Coco, ça devrait être bon. Une descendance, ma fille! S'appelle Bernard. Il s'appelle Bernard. Ah, il s'appelle Bernard. Ouais, mais c'est pas. Ah, le voilà. Il est là. Ça y est, le voilà. Il est là. Allez, on tape. Il est là. Oh, j'avais plus de commandant. Je n'avais plus de commandant. Hop, donc là, on va aller taper. Voilà. Il me faut un conseiller, c'est parti. Je n'ai plus de maître espion. Il me faut un très bon maître espion. Voilà, ça, c'est du maître espion. Oui, mais par contre, il me déteste. On va tout de suite influencer. Voilà, et on va t'offrir un joli cadeau. Envoyer un cadeau. Voilà. Et on va t'offrir un petit mariage. Voyons voir. Qu'est-ce que. T'es marié ou t'es pas marié? Ouais, t'es marié. Quelqu'un genre ma fille, voilà, ma fille, tiens, ma fille.
Il n'y a rien en fait. Là, je l'influence à fond. D'ailleurs, pourquoi? Parce qu'il est que catholique. Eh ben, attends, mais bouge pas. Voilà, un hameçon, ça me dérange pas. C'est pas trop grave. Mieux vaut avoir un hameçon. Voilà, plus 46, il m'aime bien maintenant. Voilà. Oui, je sais, c'est risqué, mais. Allez, on va s'occuper de la biscaye. Défi au jeu de société. Ah mais bien sûr. C'est juste pour du stress. Ok, c'est juste pour du stress. Alors, voyons voir. Donc moi, je suis très bon en intrigue. Par contre, il est nul en martialité. Non, attends. Intrigue, c'est contré par l'érudition. Il est nul en érudition. Ça, c'est très bien. Martialité. Si je joue la martialité, j'ai 11. Non, on va jouer intrigue. Tout va bien, tout va très très bien. Je sifflote, on ne s'attend pas à mes coups et j'ai gagné. Non, là il va pas m'aimer, donc on va dire bravo, c'est bien joué. Voilà, c'est bien joué. Bien joué, bien joué, bien joué. Hop, voilà, il a réussi à repartir. On va débarquer. Oui, bien sûr. Voilà, il assiège. J'ai plus de sous, hein. J'ai plus de sous, donc heureusement. Ah, le maître de chasse est vac. Aïe, 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 aïe. Allez, 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 allez. Voilà, ça y est, c'est fait. On appuie les demandes. Toi, tu viens ici. Je disperse tout. Voilà. Alors, t'es bien, t'es plutôt bien. Donc, je négocie ta libération, je vais te convertir déjà et je vais te recruter. Parfait, let's go, on est bien. Voilà, et on est bien. On a rétabli. Voilà, nous avons rétabli la paix. Voilà, ma fille a appris l'allemand, c'est parfait. Voilà, on s'est agrandi. On a géré tout ça. Donc, c'est très bien. On est encore un petit peu stressé quand même, hein. On est encore un peu stressé. On va aller évacuer le stress. C'est parti. Un petit peu d'exercice physique. Voilà. Et on est bien. Voilà. Ça y est. Donc du coup, bah, je vais pouvoir m'arrêter là, à la fois pour l'enregistrement et pour ma session de ce soir. Donc dans un premier temps, évidemment, je vais dire au revoir à YouTube. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas, si jamais vous voulez passer me voir, que j'ai ma chaîne Twitch, hein, sur laquelle je stream très régulièrement. Le lien est dans la description. Allez, à ciao.